Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Ça va bien? Aujourd'hui, je voudrais dessiner avec vous un lézard. Voilà, qu'est-ce que j'ai préparé. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé, sauf de la peinture, des différents couleurs, de l'eau, des pinceaux, aussi un crayon de papier et une gomme. Mon album, la palette et c'est tout. Donc, je commence aujourd'hui à dessiner à l'aide de crayons de papier. Pour dessiner un lézard, je commence par la tête. C'est quelle forme? C'est ovale. Maintenant, je dessine le corps. Le corps. Le corps. C'est aussi, on peut dire que c'est ovale, oui, ovale. Et que, oui, que est assez large. J'ai besoin de la gomme. Je ne veux pas que assez large. Voilà. C'est mieux, je crois. Maintenant, je dessine les pattes. Les pattes. Avant. Et les pattes arrière avec les doigts comme ça 1 2 3 4 5 comme les mains oui 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Oui, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de faire une pâte pliée. Deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Maintenant, je dessine la langue. Aussi les yeux, deux yeux et le nez. Deux points pour le nez. Voilà. La tête. Le corps, la tête ovale, le corps aussi ovale et queue, longue queue, voilà. Commençons à colorier. Commençons à colorier. De quelle couleur je voudrais faire mon lézard? J'ai choisi la couleur verte.
Les pattes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les pattes arrière. Un, deux, trois, quatre, cinq. Maintenant, c'est comme coloriage, oui. Nous colorions notre lézard. Lézard, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Et la tête. La tête, je colorie en vert et après je vais dessiner les yeux et le nez. Voilà. Oh, quel joli lézard! N'est-ce pas? C'est joli. C'est plus facile de dessiner sur le fond, oui. Et mais Madame Nathalie veut expérimenter un petit peu. Expérimenter avec moi, les enfants. Ah, fouf, presque prêt. C'est presque prêt. Oh, voilà. Ouh. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je prends la couleur blanche et je dessine les yeux. Les deux yeux. Voilà. Et j'attends. Un petit peu. Je n'ajoute pas le noir maintenant, peu après. Et je veux décorer mon lézard. Je veux décorer. Donc, je prends le petit pinceau comme ça, assez petit. Je prends la couleur jaune et je fais des points sur le corps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ici, on a seulement 2 points. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout petit, tout petit. Et maintenant seulement. Voilà. Oh, quel joli lézard! Sur la tête aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va faire
et deux points assez grands. Et sur les pattes, on va faire aussi les points jaunes. Voilà, les pattes avant, les pattes arrière. Voilà. Et sur les doigts, on va faire les petits traits. Oh, et ça, je ne vois pas. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Presque fini. Montre les arts. Si je veux faire le nez. Le nez, c'est les deux points noirs. Et bien sûr, jolie langue qui se divise en deux. Mon lézard a faim, elle veut manger quelque chose et je veux dessiner pour elle quelques insectes. Je veux dessiner la mouche, la petite mouche. Ce sera la mouche et la tête de mouche. Après, je vais dessiner les ailes. Je veux dessiner aussi l'araignée. L'araignée avec les pattes. Combien de pattes à l'araignée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Étrange araignée. Je vais dessiner aussi 1000 pattes. 1000 pattes, 1000 pattes pour mon lézard. 1000 pattes avec les pattes. Oh, pas 1000, mais assez beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est assez. Oh, 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 oh. Elle est trop noire. Je vais dessiner aussi la fourmi. La fourmi. Oh, il y a beaucoup de l'eau. Ma serviette vient. Beaucoup de l'eau. Je ne veux pas beaucoup de l'eau. Donc la fourmi. 1, 2, 3. Avec les pattes. Ouille. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la fourmi. Aussi, je vais dessiner une araignée de l'autre côté, mais plus grand maintenant. J'ai peur, cette araignée. Oh là là. Tellement effrayante. Mais mon lézard peut-être va manger.
cette araignée. Oui, encore qui? Je sais pas, encore quelqu'un, je vais dessiner. Peut-être un éton noir. Voilà, avec aussi les pattes, les petites pattes. Donc, il y a beaucoup d'insectes autour de mon lézard. Je voudrais dessiner aussi une coccinelle. Une coccinelle. Je ne sais pas. Peut-être un lézard ne mange pas les coccinelles. Mais c'est tellement joli insecte. Donc le corps de coccinelle, la tête de coccinelle, les pattes de coccinelle. 1, 2, oui, pardon. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai oublié de dessiner les ailes pour ma mouche. Mouche, de quelle couleur tu veux avoir les ailes? Peut-être gris. Et je dessine les ailes pour ma mouche. Voilà. Les ailes pour ma mouche. Ah, peut-être je peux dessiner aussi le papillon, ou c'est assez? Je crois que c'est assez. Voilà. Et nous avons besoin aussi peut-être des plantes. Des plantes étranges. Deuxième plante. Troisième plante. Quatrième plante. Mon dessin est assez sombre, assez effrayant. Et je voudrais ajouter les fleurs sur les plantes. Je veux faire comme ça. 1, 2, 3. Voilà, une fleur. 1, 2, 3. L'autre fleur. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Les fleurs roses. 1, 2, 3. Et je voudrais faire le contour de mon lézard avec un feutre noir. Premièrement la tête. Les pattes. Le corps. C'est plus facile.
et faire contour à l'aide de feutre. Je crois que mon lézard est prêt. Donc, mon lézard est prêt. Regardez. Ici, on a beaucoup d'insectes. Ici, on a un lézard vert et jaune. Les plantes, étranges plantes avec les fleurs. Et c'est tout. Dessiner avec moi. Au revoir.